Hey semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan perlihatkan kepada kalian beberapa cuplikan interview saya dengan 3 personel dari sebuah grup gamelan di Jenewa. Penasaran? Langsung saja kita tonton. Saya belajar gamelan 20 tahun yang lalu, tapi ada banyak stop. Dan karena saya lupa dan belajar lagi dan lupa lagi. Ah, ça fait combien d'années que vous avez créé ce groupe de gamelan? Alors, en fait, pour le gamelan javanais, j'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années ou un peu plus de 20 ans. Le groupe existait déjà, donc c'était en fait c'est des instruments qui appartiennent à la mission d'Indonésie, qui appartient à PTRI de temps en temps. Et puis il y a aussi, on a une chance, c'est d'avoir depuis 3 ans, je crois à peu près, à la HEM. Avec Patrick Dassen qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la Haute École de Musique de Genève. Wow, c'est intéressant. Donc des élèves qui font un cursus musical peuvent avoir à côté, prendre une branche en option et faire du gamelan balinais. Wow, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Il y a, je crois que c'était en 2008, sauf erreur, Monsieur Papuja, ambassadeur à Genève à l'époque, il avait créé un groupe qui s'appelle le Sankurian. Ah oui. Il a fait venir Paujo de c'est pas si facile en fait, c'est instrument. Oui. Beaucoup pensent que c'est juste taper comme ça, mais c'est extrêmement difficile. Il y a de la virtuosité comme en musique classique hein, dans le gamelan. Mais c'est surtout gamelan Java ou gamelan Bali que vous jouez ou vous faites? Comme ça, il y a le bisuka, Bali, Jawa. Ou... Non, en fait, j'aime tout. Et l'anklung aussi. Ouais. Le groupe d'anklung, je suis la seule boulée qui est là-dedans. Donc, je suis obligée de me mettre à l'indonésien, ça aide un peu. Mais on a une ambiance fantastique aussi avec ce groupe. Ouais. Bon, le Covid, le lockdown nous a tout bloqué, mais c'est vrai qu'on a fait aussi des concerts formidables avec eux. C'est vrai que c'était chouette. Donc j'espère qu'on va remettre tout ça en route. Bon, ça fait très longtemps, ça fait déjà très longtemps. Oui. Mais il y a eu beaucoup de pauses, enfin de on et off en fait. Voilà. Ouais. Donc c'est pas des années avec un apprentissage continu comme ça. C'était plutôt des périodes où on apprend des morceaux, des techniques, puis des longues périodes sans rien. Je dirais que dans mon enfance, j'étais déjà très sensible aux cultures différentes. Donc de tous les continents, n'est-ce pas? Pas seulement Indonésie ou Asie, j'avais une certaine sensibilité à toutes les cultures, y compris les musiques différentes, donc d'Afrique, d'Amérique latine, Moyen-Orient, de Chine, de Japon, et le gamelan aussi. Donc, d'accord. Oui, depuis l'enfance. Ça a commencé, je dirais que ça a commencé comme ça. Comment vous organisez l'apprentissage parmi votre ami? Eh bien, on a des profs, on connaît des profs, des amis ou des profs qu'on invite, qui eux connaissent bien la musique déjà. Leur profession, c'est d'enseigner déjà. Et aussi, en voyageant à Bali, on a appris sur place aussi, ouais, quelques morceaux. Et puis, sinon, entre nous, on s'est surtout s'entraîner, ouais, et étudier. La durée totale du morceau, en faisant tourner beaucoup ou peu de fois la partie C. Waouh, je voudrais dire que votre groupe c'est très professionnel, hein, parce que vous pouvez adapter selon le, comment on dit, la caractère. Ou bien si on joue le morceau aussi, si on joue le morceau plus lentement, ouais, ça va prendre plus de, on va gagner en quelques minutes. Waouh, c'est génial. Et c'est surtout gamelan Java ou gamelan Bali? Les deux. Les deux. Tous les, oui. Par exemple, dans le javanais, il y a la notion de irama. Ouais. Pour moi, c'est une belle illustration de l'aspect élastique du gamelan. C'est-à-dire que les notes importantes, on peut les étirer ou les compresser. Et alors, plus on les étire, plus, ouais, il y a de la place de mettre des jolies petites décorations entre les notes. Plus on compresse, plus ça sera une musique simple ou rapide. Mais il y aura moins de place pour des petite décoration. Donc, au lieu de décorer à l'intérieur entre les notes, on va décorer autour des notes avec
la colotomie. Dans votre cas, oui. Est-ce que vous préférez le gamelan de Java ou le gamelan de Bali? Excellente question, hein. Je dirais que je pourrais donner trois réponses différentes selon mon humeur. Alors, première réponse, je dirais, ça peut varier d'un jour à l'autre. Selon mon humeur, je vais écouter plus du javanais ou du balinais. Mais je dois avouer que, de ce point de vue-là, j'écoute plus souvent du balinais que du javanais. C'est vrai. Pourquoi? Peut-être j'ai plus d'enregistrements de disques ou de compact disques qui sont de gamelan balinais que de javanais. Mais sinon, comme deuxième réponse, je pourrais dire que souvent on entend dire que la musique balinaise est rapide et la musique javanaise lente. Oui. En tout cas, l'une par rapport à l'autre. Eh bien, moi, justement, j'aime bien rechercher et écouter la musique balinaise lente et la musique javanaise rapide. Mélanger. Vous pouvez mélanger entre Bahasa, parce que j'ai entendu parler, vous parlez Bahasa très bien, et aussi l'allemand. Peut-être pas. Allemand, vous parlez allemand. Ouais. Allemand. Bon, c'est parti. Ok, alors. Nama saya berapa lama ya? Saya belajar gamelan mungkin 10 tahun. Tapi saya penari Bali. Jadi saya sangat tertarik dengan gamelan juga karena itu ya karena penari harus menjiwai. Ya begitu ya. Jadi saya suka gamelan Bali karena dinamis ya, dan saya suka karena cepat, dan ya agak susah karena harus hafal semua. Kami sedikit pelan juga karena masih belajar, tapi kalau tempo yang biasa, yang seperti Bali, gila. Energetik sangat, ada musiknya. Lebih suka mana? Antara gamelan yang dimainkan untuk Jawa atau gamelan yang dimainkan Bali? Menurut saya beda sekali ya. Mungkin untuk saya tari Jawa. Yang mana? Iya, karena saya belajar tapi waktu ya masih teenager ya. Kalau tari Bali sudah dari anak kecil, jadi lebih natural untuk saya. Lebih tahu, lebih gampang ya. Langsung dapat gerakannya, tapi kalau tari Jawa. So, ikuti terus channel saya ini, tapi jika kalian belum klik subscribe dan press bell icon-nya ini, silakan lakukan sekarang. Kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel saya saat saya upload video yang terbaru. Oke, saya Didi Lejavane, sampai jumpa.